monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de course. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je me suis dit que ça serait sympa parce que je suis en train de faire en plus aujourd'hui, je pense, un vlog de ma journée où vous allez me suivre dans ma journée. On va faire ça ensemble. Et donc, je vais également faire le retour de course. Donc là, c'est une autre vidéo. Comme ça, vous allez avoir plusieurs vidéos. Je pense faire le vlog, hein. Je ne suis pas sûre encore. Mais voilà, j'ai filmé quelques petites séquences. On verra bien si je le monte ou pas. Je sais pas. On verra. Vous aurez la surprise. Bref, pour le retour de course, je suis allée chez Grand Frais et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc forcément, c'est aussi dans le rééquilibrage alimentaire. Hein, je fais, c'est toujours des produits sains et j'essaye bio au maximum. Donc voilà, c'est parti. Je vous mettrai les prix juste ici si vous avez un Grand Frais près de chez vous. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc on commence par, eh ben voilà, des petits pois, voilà, tout simplement, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des petits pois avec soi pour, vous savez, je vais peut-être vous faire aussi une recette justement à ce sujet pour changer. Vous savez, on met du riz, on peut mettre avec des petits pois ou avec des céréales, etc. Je vous ferai une recette bientôt, vous allez voir. C'est très très sympa à faire et rapide et ça change des petits pois qu'on mange comme ça. Voilà. Ensuite, eh ben, je me suis dit, quand on est vraiment trop pressé, qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie, vraiment qu'on n'a pas envie, ça nous arrive de ne pas faire la cuisine. Donc, je vais tester velouté de patates douces, curcuma et gingembre. On va voir ce que ça donne. C'est un velouté, donc on va voir, je vous dirai ça. Un deuxième velouté, c'est velouté de légumes variés bio, donc on va voir ce que ça donne également. Ensuite, pour faire goûter aussi à ma fille de 3 ans et demi des artichauts, donc voilà, j'ai pris plein d'artichauts comme ceci. J'ai pris filet de truite en promotion, donc ça c'est pratique ça pour... parce que moi j'adore le poisson et c'est très pratique, ma fille adore tout ce qui est poisson aussi, donc ça c'est rapide, bien, en plus j'ai le Cookéo, donc moi j'adore ça, c'est en 6 minutes c'est prêt, donc c'est super. Ensuite, de mon côté, bah, j'ai pris de la grosse mâche, j'adore ça, la mâche, donc ça mâche. On a repris donc du coup des champignons, voilà, parce que c'est toujours intéressant, faire une crème de champignons, de la sauce et tout, c'est génial. J'ai pris aussi pour changer du riz, des pâtes, etc. Les mélanges 5 céréales, donc c'est épeautre, orge, riz complet, de l'avoine et du blé corazon. Donc ça a l'air d'être tip top, ça c'est très très bien aussi. Donc à voir ce que ça donne. Forcément j'ai repris des graines de chia, ça c'est super bon à mettre dans les yaourts, les gâteaux, les smoothies, etc. Pour les petits déj, j'adore ça, franchement c'est des graines que j'aime. J'ai voulu tester aussi, je n'ai jamais fait, enfin j'ai fait moi-même, mais là je me suis dit, ben voilà, quand on est pressé aussi, flan chocolat naturel, à tester. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je regarderai les points si je peux voir les points au niveau de Weight Watchers, hein, pour celles et ceux qui font Weight Watchers. Donc il faut faire, c'est la poudre, ouais, c'est un peu comme du flan normal, quoi. Dans du lait, versé dans les ramequins et place au frais. Tout simple à faire. Donc voilà. Farine de blé semi-complète, ça, pareil, voilà, j'en avais besoin. Bio. Des petites pâtes, j'ai jamais testé ça. Ça fait, ça en dirait des sortes de petites perles, je sais pas, de tapioca, mais c'est des pâtes. Donc à tester. Je sais pas comment ça s'appelle, piombi, non? Non, pasta di semola. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, je vous montre. Donc si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Je ne connaissais pas. Ensuite, du riz, et oui, du riz basmati, voilà, pareil. J'adore, du riz parfumé. Ensuite des avocats, parce que j'adore aussi, c'est du bon gras, donc des bons avocats, ça c'est très très bon. Du couscous, voilà, c'est toujours bien, c'est des graines moyennes comme ça, là j'aime bien ça aussi. Des noix, parce que voilà, c'est ma vie ça, les noix, j'adore ça. Encore du poisson qui était en promotion, du filet de lieu noir, donc voilà. Dire que j'en pêchais avant du lieu, et oui, en Normandie, à Cherbourg, sur les bateaux, et eh ben moi j'en pêchais du lieu et du macro, j'ai pêché macro, lieu, quelquefois rare du bar, du chinchard, mais le chinchard je l'avais relâché parce qu'il pleurait,
poisson qui pleure. Donc du coup, bah voilà, je l'avais relâché. Et dans les casiers, on avait des casiers, il y avait du homard, des araignées, des tourteaux, des étrilles, bref. Le rêve, on revenait de la pêche et hop, tout était frais et on le mangeait comme ça et même au barbecue. Et comme mon père était chef cuisinier, et ben c'est royal. Voilà, bon, petit aparté, continuons, je pars dans mes souvenirs. Ben des pâtes, j'ai acheté des nouvelles pâtes comme ceci, des coquillettes. Des nouvelles pâtes, des coquillettes, mais bon, comme c'est italien, enfin c'est, et elles m'ont l'air d'être pas mal là, donc à tester. Ça change des pâtes qu'on trouve style Buitoni ou autre dans les grands supermarchés. De la mozzarella parce que c'est toujours très très bien d'en avoir. Des œufs, hein, des œufs frais parce que voilà, des œufs frais quoi. Et des grosses pâtes comme ça, j'ai hâte de tester aussi. Et le dernier, c'est un petit clin d'œil pour la chaîne de Nick Cook, le brochu. Oh, on voit pas, brochu, voilà, brochu, je l'ai trouvé, Nick Cook, même à Toulouse, on en trouve du brochu. Et là, il se trouve, du coup, j'ai bien regardé si c'était bien en Corse, hein, parce que j'en ai vu d'autres, mais qui étaient dans l'Aveyron, je sais plus où, mais c'était pas en Corse. Et là, c'est fabrication en Corse, SARL à Pecurella, excuse-moi, j'ai pas l'accent corse, route d'Afa, donc je ne sais pas si tu connais, à Pieto, à Mezzavia. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé à tester. Le retour de course est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en fais pas souvent de choses comme de vidéos comme ça. Si vous avez envie que j'en fasse plus de retours de course comme ça, dites-le moi. Moi en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez envie, à la commenter parce que j'adore voir vos commentaires et savoir ce que vous en pensez. Et à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi je vous embrasse bien fort. Bye.